juste là, il y a un pont, donc Didier va quand même aller voir dans quel état il est pour voir si on peut passer. Je crois qu'il vient de dire qu'il est sauté dessus et qu'il a pas cédé sous son poids, donc ça devrait aller. Verdict ? J'ai sauté dessus, ça n'a pas cassé, donc ça va passer. Bon alors on y va. Ouais. Alors, ça te plaît? Ouais, il y a largement de place. C'est bon, il y a un peu de ton de tôle ondulée, mais ouais, c'est vachement agréable. Nous sommes à Quebrada de los Cuervos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les paysages ont encore changé. Plus d'océan, on est sur des paysages qui sont beaucoup plus vallonnés. On a aussi quitté la civilisation pour être au cœur de la nature. Alors la Quebrada de los Cuervos est en fait une immense gorge qui s'est ouverte au fil du temps par le ruisseau Yerba Chico et qui se trouve en fait dans les montagnes, dans l'une des montagnes les plus sauvages de l'Uruguay. Les formations rocheuses, les chutes et les cascades font vraiment partie du patrimoine naturel de ce lieu. Il y a aussi énormément d'histoires et de légendes et la faune et la flore y sont vraiment très très riches. On va essayer de découvrir tout cela et bien sûr, on vous emmène avec nous. Avec un soleil et un paysage pareil, on peut que admirer la vue. En plus, on a pris encore un petit peu de hauteur, on est monté au-dessus du camion et on va admirer tout ça. Comme je vous l'ai dit, la flore et la faune sont ici très riches.
Il y a a priori un microclimat qui est très particulier et ça donne naissance à des espèces végétales dont la présence n'est pas courante en Uruguay. On a beaucoup de mammifères, d'amphibiens, de poissons qui sont répertoriés ici et aussi beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il y en a a priori plus de 100 espèces qui sont répertoriées. Donc là, on a pris le trépied, l'appareil photo. On va se balader tranquillement et puis on espère voir des petits oiseaux pour pouvoir les filmer. Bon, les poissons, les amphibiens et tout ça, je pense pas. Mais les oiseaux, on a une chance. Et puis, on a pris le chat. Hola. Hola. Comment ça? Disfrutando la naturaleza. Si, muy bien. Está bien. Magnifico. Qu'est-ce que t'as là? Il devrait y avoir des chiens. Il y a une petite tête. Pourquoi t'es là, mon gueugueule? T'as eu peur des chiens? On t'a surtout mis là pour te protéger des toutous. Hein. C'est assez rigolo parce qu'en cours de route, plusieurs fois, j'ai fait la remarque à Didier. J'ai cru voir des autruches, sans conviction. Puis d'ailleurs, Didier ne me croyait pas trop non plus. Et finalement, il s'avère qu'on en a vu plusieurs en venant jusqu'ici. Donc il y a bien des autruches par ici. Après, nous, on ne savait pas qu'il y avait des autruches en Amérique du Sud. Et donc, c'est plutôt une agréable surprise. Alors, ce sont très exactement des nandous d'Amérique. Je vais vous montrer juste après donc quelques images que l'on a fait justement de ces nandous avant d'arriver ici et également ici à Quebradas de los Cuervos. C'est assez rigolo parce que vous pouvez regarder un troupeau de moutons, puis finalement en plein milieu vous avez un, deux ou plusieurs nandous, tout à fait normalement. Et ce qui est sympa, c'est qu'au cours de notre périple, eh bien, je pense qu'on aura encore l'occasion d'en croiser plusieurs. Thank you.
Donc là, on est rentré sur une propriété privée. On a déjà passé un premier portail, on en passe un deuxième. Et l'objectif, c'est d'aller trouver la lagune et la cascade. Je vois un panneau là-bas. Ouais. Vous imaginez que tout ce qu'on a parcouru là, c'est sur une propriété privée. Donc en fait, le petit monsieur nous a accueillis et on a payé 70 pesos uruguayens par personne. Et ensuite, on peut naviguer sur cette propriété jusqu'à la cascade. Alors après, il a fait un petit sentier balisé le long de sa propriété. On a même passé sur un petit pont avec juste un petit tronc. Bon, c'est pas très rassurant, mais ça passe, il n'y a pas de souci. Puis ça vaut le coup parce qu'on arrive comme ça à la petite cascade. Franchement, moi j'adore. Et c'est pas mal d'avoir une cascade chez soi quand même. Moi j'approuve. Et comme si ça ne suffisait pas d'avoir une cascade chez soi, et ben le petit monsieur, il a aussi sa propre lagune. Allez, on va voir ça. C'est top, hein? Allez, maintenant on rentre avant qu'il fasse nuit. Ça va Didier? T'en peux plus? Allez, c'est parti. C'est tout bon, nous sommes revenus à notre maison roulante juste avant la nuit et avec un magnifique coucher de soleil. Encore une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. On va faire une autre randonnée. Donc hier, c'était chez un particulier qui met sa propriété à disposition pour les personnes qui veulent visiter. Et puis aujourd'hui, donc, ça va être un petit peu plus touristique. On va aller donc à Quebrada Los Cervos, ici, à ce niveau-là. Alors on ne pouvait pas y aller avant parce que ça ouvre que du jeudi à dimanche. Et nous sommes jeudi, donc c'est parti, on va aller voir ce que ça donne. C'est là que ça commence, on va passer par là-bas. Et avant, Didier est parti nous enregistrer, il faut quand même déclarer notre passage, on va dire. Et puis surtout, je crois qu'il y a une petite chose à payer. Donc voilà, puis après, hop, on file là-bas. Et c'est parti pour visiter et faire de la petite rando. C'est parti, on attaque la randonnée. Il y en a pour à peu près 2h30, donc on va faire ça hyper tranquillement. Le but, c'est d'admirer le paysage, de profiter. C'est environ 7 km. Il y a pas mal de petites descentes et de montées, je crois. Oui, hein, ça a l'air d'être sympa. Ouais, ça va être super sympathique. Et j'ai oublié, le prix de l'entrée, c'est 200 pesos pour tous les deux. Thank you.
entend le bruit du vent dans les arbres. Mais pas que. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On a trouvé une nouvelle espèce. L'écureuil à 3D. Il grignote en pleine randonnée. Pratique pour entendre les oiseaux. L'air pur. Des petits sentiers de randonnée comme je les aime bien. Il y a une bête. Eh oui, premier animal croisé. Trop beau, j'adore. Regardons pas, c'est beau. Allez, viens. Alors, il ne faut pas aller nager et ne pas jeter de pierre dans l'eau. La dénomination Quebrada de los Cuervos, ça signifie donc gorge des corbeaux. Et c'est dû à la présence assez abondante, a priori, du corbeau à tête rouge. Bon, après, on n'en a pas vu encore, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en croiser un. Alors, petite parenthèse. On pensait que les corbeaux à tête rouge, c'était des corbeaux comme chez nous, mais avec une tête rouge. En réalité, on a eu l'occasion d'en croiser à plusieurs reprises. Il s'agit en fait des gros oiseaux avec une tête rouge, connus sous le nom de urubu à tête rouge, et également vautour aura. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, à Punta del Diablo, on avait eu l'occasion de filmer justement un vautour aura qui se nourrissait d'une otarie morte. Et on a également eu l'occasion ici d'en filmer à la fois qui volait et également posé. Donc, pour conclure,
Des corbeaux à tête rouge, on en a bien vu en fait. Allez, je vous laisse continuer la randonnée. Franchement, nous voulions venir à Quebrada de los Cuervos pour être au cœur de la nature et faire de la randonnée. Donc on est super contents parce qu'on a pu faire de la randonnée et ça, ça fait du bien, ça décrasse comme on dit chez nous. On est vraiment au cœur de la nature, que ce soit là pendant la randonnée ou avec le camion. Et on a pu quand même observer quelques oiseaux. Et franchement, moi j'ai adoré ce passage à Quebrada de los Cuervos. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. On va finir cette vidéo sur ce beau paysage. Comme d'habitude, un petit pouce, commentez, partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite clochette, d'autant plus que Didier partage aussi maintenant des vlogs, donc il y a plus de vidéos. Et on vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté !